vous regardez RTL. Je sais que vous aimez beaucoup La Réunion, monsieur. Ouais, j'ai un souffleur à gauche. Monsieur de Kersauzon, s'il y a quelqu'un de La Réunion au premier rang... S'il ne répond pas, je donne un coup de pied. Qui a sympathisé avec vous. C'est rare, il a changé notre Olivier. Avant, il ne sympathisait pas avec le public. Ah non, il a changé complètement. Il leur parlait à peine. Non, ce n'est pas, pas de la sympathie, je me fous de sa gueule, c'est tout. Il pourrait être à La Réunion et il est rue machin, là. Général de Gaulle à Neuilly-les-Bains. Attends, la mer est à 800 km d'ici. Attends. Pour être chez vous, là, au bord de la plage et tout ça. Oh, putain. Mais pour apprécier celui, il faut qu'il sorte un petit peu pour revenir. Ouais, enfin, il y a quand même moins pire que ici. Il aurait pu aller à La Baule, par exemple. Oui. Ou à Berck. À Berck, oui. Donc Berck, c'est dur à soutenir quand t'as l'estomac plein. Vous aimez bien Berck? Ah oui, j'aime bien Berck. J'ai vu un concours de cerf-volant à Berck. Ah oui, c'était merveilleux. Alors vas-y. Il vous avait pris comme marraine d'un concours de cerf-volant. Oui, j'avais compris. Eh ben, voyez, dans le public, il y a eu un moment de retard. Moi, j'avais compris tout de suite. Donc, c'est toute la différence. Donc, camembert. Hein. Pourquoi les cerfs-volants? Parce qu'ils ont des rênes? Mais non. Oh là là. Parce qu'ils ont des... Non, cerveau. Cerveau lent. Cerveau lent. Ah, non, je sais pas si c'est... Ah, bah, on vient de trouver la présidente. Moi, je me demande si je ne vais pas donner ma démission. Hein. Donc, c'était une question pour Adèle Rabois, qui habite Sainte-Clotilde à La Réunion. Et la c'était question... quoi, déjà? Ah ben, je ne l'ai pas posé encore, la question. Voilà. On apprend aujourd'hui que Mario Abdo Benitez a remporté la présidentielle à 46 ans. Mais dans quel pays? C'est l'Amérique du Sud, ça. L'Amérique du Sud, oui. En Uruguay. En Uruguay. Ah, vous le dites bien. Ah oui, hein. Ouais, parce que j'y ai été. Hein. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Uruguay? Oh, il y a longtemps, hein, du temps de ma splendeur, j'étais invitée dans plein de festivals. Ah ouais? On dit des festivals. C'est au Paraguay. Il y avait un festival de cerf-volant au Paraguay. Non, c'était des trucs de cinéma à Montevideo. Ah, de la vidéo ou du cinéma? Montevideo, c'est la capitale de l'Uruguay. Ouais, mais... Enfin, peut-être pas la capitale. Non, mais c'est à côté du Panama, c'est au nord du Panama. Non, mais monsieur Bénichou a donné la bonne réponse. Paraguay. Le Paraguay, bonne réponse. C'est pas loin, tu l'as dit? Uruguay, elle a dit. J'étais pas loin. Non, elle a dit Uru, alors que Pierre a dit Para.